Bonjour à tous et bienvenue sur ce mini-épisode. Aujourd'hui, on va essayer de régler une problématique qui est mon matériel de ponçage qui est dans une boîte. C'est toujours le bordel, je suis obligé de vider la moitié et je vais essayer de trouver une solution. La première chose, bien sûr, c'est de classer les différents éléments et d'essayer de trouver des morceaux dans mon stock de contreplaqué pour pouvoir faire un espèce de petit rangement que je vais aller mettre sur mon mur de French Clit. J'ai trouvé un morceau de contreplaqué de 3 mm qui provient d'un ancien meuble qui va me servir aussi avec les deux morceaux de contreplaqué que j'ai déjà trouvé. Première étape, bien sûr, remettre tout ça à peu près droit avec la scie à ruban. Et je vais rainurer ce morceau de contreplaqué pour créer en fait des étages. Je vais utiliser pour ça mon affleureuse, qui est beaucoup plus petite et plus simple à mettre en place que ma défonceuse, même si elle fait autant de bordel que sa grande sœur. Donc là, le principe, je vais faire des rainures qui vont venir accueillir des étages dans lesquels je vais mettre mes feuilles de papier de verre qui sont classées bien sûr par grid. J'ai pas vraiment d'idée de hauteur, j'adapte un peu et je design ça au fur et à mesure. Le principe aussi, c'est que je vais rainurer donc toute la plaque, et cette plaque-là, je vais la couper en deux, ce qui me permettra d'avoir mes deux faces de mon pseudo-meuble. Et pour le couper en deux, je vais utiliser bien sûr ma scie circulaire sur table, qui va faire une découpe nickel en quelques secondes, ce qui est un des gros avantages d'avoir ça dans mon atelier, évidemment. Je règle le guide de refente, je fais attention à mes petits doigts, et je peux me lancer dans la découpe de ce morceau du meuble. Je vais aussi découper, bien sûr, tous à la même largeur, mon morceau de contreplaqué de 3 mm qui est ultra flimsy, mais qui va quand même passer à la scie circulaire sur table pour aussi avoir à peu près tout à la même largeur. Maintenant que tout était découpé, je vais pouvoir assembler, et là j'assemble avec des vis, puisqu'on va le voir un tout petit peu plus tard. Si j'avais collé tout ça, eh ben j'aurais été bien emmerdé. Là je vais découper les largeurs de mes différents étages à la scie sauteuse, parce que c'est le plus simple, et j'ai pas besoin d'une découpe ultra précise sur ce contreplaqué de 3 mm. Donc je vais découper 6 morceaux, puisque je vais avoir 5 étages, et l'étage supérieur va me servir à stocker certains éléments. Là je vois que mes largeurs sont un tout petit peu trop larges, donc je dévisse et je revisse. Et pour la deuxième partie, j'utilise des morceaux de contreplaqué que j'ai coupé à 45 degrés pour stocker ensuite les disques de ma ponceuse excentrique ou excentrée, je sais pas comment on dit ça. Il me reste plus qu'à poser l'élément du French Clit, et voilà, mon meuble est fait. Ça a duré moins d'une heure, et je pense que ça va bien m'aider à garder mon atelier à peu près rangé, et éviter de devoir toujours aller fouiner dans une caisse pour trouver le bon élément. Donc on a vu, j'ai mes disques qui sont bien rangés, et là je vais mettre tous mes papiers de verre dans leurs petites étagères, chacune bien rangée, et accessible en permanence. Je pense que ça va nettement améliorer mon organisation, et ça va être, je pense, super pratique. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, et à très bientôt.